C'était le 12 octobre 2011, un TER percutait un camion sur le passage à niveau de Saint-Médard-sur-Isle en Ille-et-Vilaine. Bilan, 3 morts et 45 blessés. En août dernier, le préfet a adressé un courrier à la commune dans lequel il explique ne plus vouloir porter la responsabilité d'un nouvel accident. Alors 4 ans après, où en est-on? C'est le thème de notre Plus de l'actu préparé aujourd'hui par Hélène Pédèche et Christophe Rousseau. 3 morts, 45 blessés. L'accident du 12 octobre 2011 était le quatrième sur le passage à niveau de Saint-Médard. Répertorié parmi les plus dangereux de France, le PN11 doit être supprimé. Parmi les solutions évoquées, il y a l'aménagement d'un viaduc. C'est ce qui vient d'être mis en place non loin de là, à Cervon-sur-Vilaine. Depuis janvier dernier, les véhicules ne traversent plus le passage à niveau, mais passent sous la voie ferrée, à 100 mètres de là. Quant aux piétons, ils empruntent désormais un passage souterrain. C'est plus pratique, pour aller à vélo, les parents nous laissent plus facilement y aller. C'est très positif, oui, à deux raisons, pour le train et pour les voitures aussi qui sont déviées. Donc c'est moins bruyant côté circulation automobile. Une solution que le préfet balaye pourtant d'un revers de main. En juillet dernier, il adresse un courrier au maire de Saint-Médard et au président de l'association des victimes. Il y écrit: je ne souhaite plus continuer à engager notre responsabilité indéfiniment. C'est pourquoi je propose la fermeture définitive du passage à niveau. Plutôt qu'un viaduc, la route serait donc détournée vers la commune voisine de Montreuil-sur-Isle, située à 5 km. L'idée, c'est de dire, on raccourcit l'agenda de façon à apporter tout de suite une solution technique sécurisante pour la population et le public. Et d'autre part, on profite de l'économie générée pour apporter des solutions à la fois à Saint-Médard et à la fois à Montreuil-sur-Isle. La fermeture pure et simple serait donc la solution la plus rapide et la moins coûteuse. 2 ans au lieu de 5, voire 8 ans, pour un coût inférieur d'environ un tiers. À Saint-Médard, où des travaux d'aménagement ont déjà été engagés pour sécuriser le passage, le maire ne décolère pas. Ça reviendrait à couper la commune en deux. C'est un endroit où il y a énormément de monde à passer. Et c'est une route qui est empruntée par tous les habitants de la commune très régulièrement. Plus grave. Pour l'association des victimes de Saint-Médard, la fermeture du passage à niveau aurait pour effet de déplacer le danger vers Montreuil-sur-Isle. 1500 véhicules supplémentaires traverseraient chaque jour le bourg de Montreuil, dont 150 poids lourds. Il y a la fameuse rue des écoles où il y a plusieurs établissements, une rue qui est étroite, et tout le flux qui serait dévié de Saint-Médard passerait par cette rue qui est étroite où déjà deux voitures ont du mal à se croiser. Alors imaginez si on rajoute en plus des flux de camions. Donc il serait paradoxal de supprimer un risque à Saint-Médard pour induire des risques auprès des enfants ou de la population civile à Montreuil. Depuis 4 ans, les différentes parties se retrouvent tous les 2 mois pour faire le point. En dernier lieu, c'est le préfet qui tranchera avant fin 2015, a-t-il promis.